toutes les fois que je la voyais, elle avait des lumières, des étoiles dans ses yeux, des dents rayonnantes, un sourire éclatant. C'était un rayon de soleil, je pense, pour tout le monde. J'aurais aimé apprendre à la connaître davantage. Par contre, je crois qu'on va se revoir après l'aventure, puis j'ai vraiment hâte de la revoir. Ok, moi puis Maud, on a peut-être été étiquetés ensemble de même. Puis le monde à l'extérieur, l'intérieur, vous pouvez peut-être voir ça comme un début d'histoire d'amour. Moi, je voyais ça comme une grosse histoire d'amitié. Puis c'est ça, Carlis. Okay. Une grosse histoire d'amitié. Puis on se comprenait, c'était ma fan numéro un dans l'humour que j'avais. Puis elle a compris la première journée quel humour que je faisais, parce que des fois, c'est dur, je suis dur à suivre pour ces choses-là. Fait qu'elle me faisait autant rire que je pouvais la faire rire, puis modérer, ça m'alimente, puis ça me rend plus heureux, puis j'ai le goût d'être là plus pour tout le monde. C'est avec elle, j'aurais aimé ça finir l'aventure jusqu'à la fin. Fait que si je me rends à la fin jusqu'à là-bas, ben je vais dédier tout ça pour elle, parce qu'elle a rendu vraiment mon début, elle m'a fait sentir confortable ici, puis je vais penser à elle, faut que je mette un petit chapeau, je sais pas, c'était bien cool, puis ça va rester une de mes grandes amies, ça va être une tripeuse comme moi, puis c'est vraiment... Amitié, c'est ça qui est cool, puis c'est vraiment cool de même, puis je suis content d'avoir rencontré. C'est ça. Ben, il reste moi, je sais pas. On va demander. Ouais, c'est normal. Tu vois. Ben non, je peux te dire quoi. Myriam? Oui? Est-ce que je peux te demander de le refaire? J'ai eu un petit problème d'enregistrement au tout début. OK. Désolé. Ça me... Un peu, là. Pas pleurer, hein? Non. Ben non. T'as pleuré? T'as je recommence quand tu nommes mon nom? Non, c'est bien. OK. Maud, pour moi... dès la première journée, ça a été mon allié. On a passé les deux premières journées pratiquement ensemble à faire des choses nounounes. On s'est déguisé en gangster, en cowboy, on courait partout, on mettait nos lunettes, on se cachait. Maud, c'est une fille exceptionnelle. Elle a une vraiment belle personnalité. C'est une belle personne. Autant extérieur qu'intérieur, je suis vraiment fière d'elle. Elle a relevé des grands défis personnels. Je m'ennuyais d'elle énormément. J'ai pris son lit, j'ai shifté sa place. Je vais dormir dans ses doudous. J'ai hâte de la voir, je m'ennuie d'elle, je vais m'ennuyer, on va tous s'ennuyer. Puis je vais représenter les Blondie Style dans le loft, vu que je suis maintenant la dernière. Donc, je vais m'assurer que tu sois fière du clan des blondes. I love you, Maud, puis j'ai vraiment hâte de te voir. Rémi Confessionnal. Rémi, comment te sens-tu? Oh, c'est pas...